fermé la compagnie. Arthur s'est éteint lui aussi. Il avait fait ça toute sa vie. Travaille pour la CIP. Un colon venu par chemin de fer, fuyant la ville et sa misère, s'est défriché un coin de terre, un pays dur, sauvage et fier. C'était la déprime économique, piquée par je ne sais quel moustique. Ils ont trafiqué des alambics, fait des efforts démographique. La Roger River Lumber Co. est fournie par le bois d'en haut, amenée par la voie des eaux, direct from du Grassinero. Jobber engage pour faire la sweep. Paraît que ça prend deux autres équipes, des gars vaillants avec des tripes, des bottes à clous pis un grand pic. Oh non, la vie t'es pas facile dans les camps et les bidonvilles. Fin seul dans le fond de la bite 4000. Tu fermes ta gueule jusqu'en avril. La compagnie dicte la loi. Ça fait déjà presque 6 mois qu'on est enfermé dans le bois. C'est pire que de faire son chemin de croix. Asseoir encore des fèves au lard. Tu ragoûtes pas ta faim du corps. Le soir ça veille, jamais ben tard. Pis c'est comme ça soir après soir. Un peu d'ambiance dans le bon camp. Y'a de la baboche, mais je le chante. En fin de main, la paix est rente. Maudit que la bière sera pas méchante. Reviennent sûrement que l'hôtel va être plein. One shot of whiskey for the man, en espérant que le femme comprenne qu'on ne vivra plus cette époque. Voir Donas rouler une Pollock, Hull Draper s'approcher des docks plutôt que Jackie sur des blocs. Quand ils ont fermé la compagnie, moyen drap pour l'économie. Qui avait dit que la CIP, c'était une job garantie pour la vie.